Les habitudes très cheloues de ma famille bulgare. Elle se lave les fesses avec un jet ultra puissant, regardez la pression du truc. Le matin quand je me réveille, ils sont tous là. Alors on prend le petit déj ensemble sur mon lit, il y a même le yinche, la mama, le papa. Ça va toi? Les Bulgares ont presque tous des toilettes à l'extérieur, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ils se nourrissent exclusivement de concombres. Le matin comme le soir, ils bouffent des concombres en permanence. C'est un truc de fou. Le soir, de temps en temps, je soulève littéralement le père de Micha. Il me propose du soujuk, une saucisse sèche à 8h du matin. Génial. Tous les soirs, on se balade au centre de la ville. J'ai aucun souci avec ça, hein. Le problème, c'est qu'on le fait à 23h. Et à 23h, je dors. Ils mangent à des heures qui n'ont aucun sens, parce qu'ils n'ont jamais le temps de se poser pour manger tranquillement. Du coup, ça donne ça. Ils surkiffent manger des fruits secs, notamment des noix de cajou ou des noisettes. Si on ne sort pas au centre de la ville le soir, alors nous rendons visite aux grands-parents vers 21h qui sont à 30 minutes de la maison. Ils se massent le visage entre eux avant de se coucher. Au restaurant, ils prennent tous une grosse salade en entrée. C'est systématique.